votre regard et formez l'esprit critique de vos élèves au travers de 5 grands thèmes du graphisme. La typographie, la couleur, l'image, la data visualisation et la mise en page. Partez à la découverte de l'histoire de chaque thématique. Profitez des analyses d'experts du domaine ainsi que des conseils pédagogiques d'un animateur Canopé. Inscrivez-vous dès à présent. Le cours débute le 4 mars sur la plateforme FUN. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cet événement digital organisé par le Centre national des arts plastiques. Nous fêtons avec cet événement la mise en ligne du tout premier MOOC du CNAP, un MOOC intitulé « Le design graphique au collège, découvrir pour transmettre ». Ce MOOC est disponible sur la plateforme FUN. Il vous propose de vous initier gracieusement aux fondamentaux du design graphique au travers de 5 thèmes majeurs: la couleur, la typographie, l'image, la mise en page et la visualisation de données. Je m'appelle Delphine Pellerot et je suis intervenue comme consultante en médiation culturelle sur la réalisation de ce MOOC. Je vous propose qu'au cours des 40 prochaines minutes, nous vous présentions ce nouvel outil pédagogique proposé par le CNAP et que nous abordions ensemble la question des enjeux de l'enseignement du design graphique, notamment auprès des jeunes générations. Pour cela, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 3 personnes. Véronique Marié, qui est responsable de la mission design graphique au sein du CNAP. Florence Jamé-Pinkiewicz, vous êtes designer et enseignante à l'école Estienne et vous avez participé à l'élaboration de ce MOOC à la séquence images. Et enfin, Loïc Legal, graphiste et typographe, vous êtes notre expert sur la séquence consacrée à la typographie. Nous souhaiterions que ce live soit aussi un moment d'échange avec vous. Donc je vous invite à nous transmettre vos questions et vos commentaires sur les chats dédiés sur les médias sociaux. Mais commençons tout de suite cette discussion avant de prendre vos questions. Et pour cela, en fait, j'aimerais m'adresser à vous, Véronique, pour vous demander de me présenter et de nous présenter le CNAP et ses missions. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Delphine. Donc le Centre national des arts plastiques est un établissement public du ministère de la Culture qui gère pour le compte de l'État toute la politique dans le champ des arts visuels. Ça passe notamment par le fait qu'il y a une collection qui comporte plus de 105 000 œuvres. Au jour d'aujourd'hui, c'est une collection qui a vocation à circuler. Donc les œuvres ont vocation à être prêtées et à être diffusées. En dehors de la question de la collection, il y a aussi un service du soutien à la création. Et c'est un service qui s'adresse aux professionnels des arts visuels, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient artistes, photographes, qu'ils soient producteurs également. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent à l'ensemble de cet écosystème de l'art de demander des soutiens en fonction de leurs différents projets. Et donc dans le cadre de cette politique que mène le CNAP, il y a une attention particulière qui est donnée au design graphique et à la typographie. Donc dans le cadre de cette mission, il y a la publication donc de Graphisme en France, qui est une revue annuelle qui est éditée à 10 000 exemplaires, qui a un thème différent chaque année et qui est éditée depuis 26 ans par le CNAP. Par ailleurs, il y a différents dispositifs d'aide à des colloques, on organise des journées d'études. On a fait 2 commandes de caractères typographiques également, le faune et l'infini. Et puis on a fait déjà 2 kits pédagogiques. L'un pour l'école élémentaire qui est là près de moi, donc le ludographe pour les enseignants d'école élémentaire, et puis un autre donc sérigraphique pour le design graphique au collège. Et donc on a souhaité prolonger la parution de cet outil qui est destiné aux enseignants de collège par la production de ce MOOC, en effet. Oui. Et ces supports, tout comme le MOOC, sont motivés par une conviction, celle que le design graphique, c'est l'affaire de tous.
Absolument. Mais pour comprendre en quoi c'est l'affaire de tous, il serait intéressant de l'identifier, de le définir, hein, parce qu'il me semble qu'il n'est pas complètement identifié par le grand public. Absolument. Je voudrais rajouter que l'ensemble des supports que je viens d'évoquer sont en téléchargement libre et gratuit sur le site du CNAP. Donc ce sont des outils qui peuvent être tout à fait téléchargés par l'ensemble des auditeurs, de nos auditeurs. Alors en effet, la question du design graphique, c'est quelque chose qui est omniprésent un petit peu partout autour de nous, tout le temps. J'ai apporté quelques exemples, mais voilà, l'édition, un livre, La Blanche de Gallimard, c'est du design graphique. Le journal qu'on achète chaque jour, c'est du design graphique. J'ai amené un petit packaging ici. On a voilà, la signalétique. Donc le design graphique se retrouve vraiment partout autour de nous, tout le temps, mais on n'a pas suffisamment de clés, probablement, pour comprendre et pour évaluer et pour s'immiscer comme ça dans ces signes et donc d'avoir du recul et de comprendre en effet ce qu'ils signifient autour de nous. Donc c'est vrai que du coup le métier de graphiste est pas forcément très connu. De mon point de vue, c'est vraiment un métier de création. C'est vraiment, chaque graphiste ou créateur de caractère a un univers. Donc c'est vraiment de la création, mais peut-être que la spécificité, c'est que c'est du design. Et donc, il y a évidemment la maîtrise d'un certain nombre d'outils qui sont évoqués dans le MOOC d'ailleurs, donc j'y reviendrai pas. Mais la spécificité donc par rapport à cette question du design, c'est probablement d'aller à la rencontre d'un commanditaire qui, lui, a une problématique. Mettre en forme un livre, avoir besoin d'une application, avoir besoin de faire un site internet, avoir besoin de renouveler son identité visuelle, d'apposer un logo sur un packaging, bref. Donc toutes ces choses-là, ce sont des problématiques de design graphique auxquelles les graphistes peuvent répondre merveilleusement. Parfait. Merci beaucoup Véronique. Continuez à nous envoyer vos questions et vos commentaires. Moi, j'aimerais prendre quelques minutes avant de répondre et de laisser nos experts répondre aux questions. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter le format du MOOC, hein, qui est également un format qui est peu identifié. Alors, le MOOC vous propose un parcours pédagogique disponible gratuitement, en ligne et destiné au plus grand nombre. Celui du CNAP, nous l'avons prioritairement pensé pour répondre aux besoins des professeurs de collège, toutes disciplines confondues, pour qu'ils se forment aux bonnes pratiques du design graphique et qu'ils puissent ensuite transmettre ces bonnes pratiques à leurs élèves. Nous souhaitons également leur donner des clés pour qu'ils puissent sensibiliser ces élèves à l'importance de savoir décrypter leur environnement visuel, à l'importance de savoir cultiver son regard critique. Alors, qu'allez-vous trouver en vous inscrivant à ce MOOC, sur la plateforme FUN. Ce MOOC est structuré en 5 séquences dédiées à 5 thèmes majeurs du design graphique: la couleur, la typographie, l'image, la mise en page et la visualisation de données. Je ne vais pas vous le détailler, mais par contre, j'aimerais vous présenter les axes d'études que l'on a sélectionnés pour la conception de ce MOOC. On commence ce MOOC par une approche historique pour vous permettre de mieux comprendre d'où viennent nos codes et nos codes graphiques que l'on voit chaque jour au quotidien. Ensuite, nos experts viennent nous aider à approfondir la compréhension qu'on a de ces thématiques. Chacun, dans une vidéo, nous décrypte les codes du design graphique, nous permet de mieux comprendre les enjeux et enfin nous donne des conseils pratiques. J'aimerais ici citer les 5 experts que vous voyez à l'écran qui ont participé à l'élaboration de ce MOOC: Henri Olivier, Sophie Bourly, Augustin Manaranche et enfin ceux qui sont à mes côtés, Florence Jamet-Pinkiewicz et Loïc Le Gall. Enfin, chaque séquence offre une section spécifiquement dédiée aux professeurs des collèges. Encore une fois, je le répète, toutes disciplines confondues. On cherche à les accompagner dans leur mission de transmission de ces savoirs. Pour cela, Romain Galissot, médiateur de ressources pour le réseau Canopée, leur partage dans une vidéo ses observations sur les usages scolaires de ces thématiques. Il leur rappelle également les règles essentielles. Et enfin, il leur présente l'une des 2 activités pédagogiques que nous avons spécialement conçues pour eux.
Ces activités pédagogiques, nous les avons conçues pour qu'elles répondent à une approche pédagogique par l'action. Nous souhaitons mettre les élèves à l'action. Ainsi, entourés par leurs professeurs, ces élèves pourront mieux évaluer et appréhender l'impact de certaines décisions graphiques sur l'interprétation d'un message, sur l'interprétation d'un élément visuel. Mais un MOOC, ce ne sont pas que des ressources à consulter, c'est aussi un espace de créativité. Vous pourrez nous montrer vos talents graphiques, d'échange, puisqu'il existe plusieurs forums pour échanger et nous faire part de vos retours d'expérience, de certaines choses que vous auriez également pu mettre en place dans vos classes. Et également un lieu de challenge, puisque chaque séquence se clôt par un quiz qui vous permet d'évaluer les connaissances acquises. Mais maintenant que vous savez tout sur le format, je vous invite à aller sur la plateforme FUN, où ce MOOC, je le rappelle, est disponible gratuitement. Et j'aimerais maintenant m'adresser à mes deux experts pour entrer dans le contenu du MOOC, à savoir, donc je rappelle, Florence est notre experte image et Loïc, notre expert typographe. Donc Florence, je commence par vous et j'aimerais vous demander de me présenter votre parcours. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'ai écrit l'article Images pour le kit sérigraphique du CNAP en 2015, avant d'être invitée pour la partie Images de ce MOOC sur le design graphique. Personnellement, je suis normalienne, agrégée d'art appliqué, membre d'ArtCode, studio design interactif depuis 2006. Et à l'école Estienne, j'ai fondé le DSA Design et Création Numérique. J'interviens également aussi en DNMAD, images imprimées et images et narration. Et cette pratique et cet enseignement à Estienne m'ont mené à réfléchir au sens et à la forme des images, au devenir du livre et aux relations entre technologie et design graphique. Récemment, je me suis intéressée à la façon dont on peut faire image en manipulant les foules, en participant à l'aventure éditoriale du livre Un démocrate, Édouard Bernays, Petit prince de la propagande, qui est paru en juin dernier chez CF Éditions. Cela a été l'occasion de revenir sur les techniques de la fabrique du consentement, mais aussi, ce que j'aimerais tout particulièrement soutenir, sur le rôle de l'image comme riposte possible. Parmi les questions qui m'intéressent aujourd'hui, il y a celle-ci. Quel rôle pour le créateur d'images dans un univers où les technologies font résonner différemment l'utilisation possible des images? Je pense particulièrement au développement des intelligences artificielles, mais aussi aux réalités virtuelles, augmentées, mixtes. Et je dirais par conséquence, quelle écologie des images pour les réels entrelacés d'images que nous construisons aujourd'hui? Mais tout ça me paraît passionnant. Alors, on commence le MOOC, la séquence image, en affirmant que l'image est partout depuis toujours. Je me suis posé la question si c'était une généralité, si on n'était pas tombé dans une sorte de facilité rédactionnelle. Et en fait, ça n'est pas le cas. Donc, nous pouvons assumer cette phrase. Mais pouvez-vous nous aider à appréhender un peu mieux ce phénomène? Alors, oui, c'est vrai. Les images sont partout. Je suis rassurée. Et ces images, elles font partie intégrante de notre environnement, mais on peut voir déjà dès l'école la façon dont nous associons des images à des sons pour apprendre à déchiffrer. On peut aussi s'intéresser à la façon dont le texte est mis en page et à l'étoffe visuelle, à sa dimension de partition textuelle. La lettre elle-même est une image écrite. Et si l'histoire de l'image est aussi celle de l'écrit, il y a quelque chose quand même qui est assez fondamental dans l'image, c'est que ce n'est pas une simple représentation, c'est un véritable médium. Oui. Et il y a de très nombreux langages et usages graphiques. Il est vrai que nous consommons des images grâce à la facilité de la production de ces images et de la diffusion de ces images imprimées comme numériques aujourd'hui. Mais on peut aussi s'intéresser à ce qu'elles nous font. Elles nous divertissent, elles nous renseignent, elles nous interrogent. Elles nous interrogent et j'aime à penser qu'elles nous font rêver également. Mais ces images, elles ne font pas que nous informer, elles font sens, elles sont interprétées. Oui, alors la question est de savoir comment elles font sens et pourquoi elles font sens. Ouais. C'est vrai que si elles nous interpellent pas toutes directement, elles ne sont jamais neutres. Elles ont d'abord une origine, un geste, une intention créatrice, un auteur, un dispositif technique.
Les images qui nous entourent sont captées, construites par des amateurs comme par des professionnels, des graphistes, des artistes, des agences. Elles ont aussi des effets sur nous plus ou moins visibles. Mais en fait, pour qu'elles puissent nous toucher, il faut avant tout que nous puissions leur donner du sens, si vous voulez. C'est dans ce sens que ça se passe. C'est parce que nous cherchons à les décoder, parce que nous les adoptons, parce que nous les transmettons, que nous leur faisons, grosso modo, nous leur mettons du sens. Oui. Et c'est vrai qu'éduquer aux images, c'est former un regard, une sensibilité à ces sens que vont acquérir l'image et un point de vue sur les images, aider à saisir leur diversité de nature, leurs fonctions, leurs enjeux, aider aussi le public, les élèves à adopter une distance critique. C'est aussi permettre, je dirais, à côté, de façon complémentaire, de stimuler la créativité. Et quand on fait, vous mentionnez l'enjeu de l'éducation du regard, mais comment on transmet cet enjeu-là à des jeunes générations en particulier ? Alors, je crois qu'on peut le faire légèrement, en fait. Déjà, c'est vraiment indispensable de pouvoir garder l'esprit du jeu. Oui. Et de jouer avec les images, de jouer à décoder les significations, de comprendre leurs fonctions, mais aussi d'essayer de déjouer leurs effets. Finalement, de retrouver ce plaisir-là, ce plaisir indispensable à jouer avec. C'est quelque part le plus important aussi, c'est de se dire que approcher les images et s'intéresser à elles, ça ne veut pas dire qu'il faille s'en méfier. Au contraire, nous rêvons et nous formons sans cesse des images. L'image, elle stimule l'imagination. Oui, et ce jeu, moi, je l'ai retrouvé parmi, chez les 5 experts, s'amuser avec les codes. Mais pour s'amuser, encore faut-il les comprendre et les connaître. Et c'est tout l'enjeu du MOOC. J'aurais une autre question concernant le MOOC et votre implication dans le MOOC. C'est comment est-ce que vous avez abordé cette question de la transmission, puisque je le rappelle, vous avez été filmée pour le MOOC, donc ça change de votre pratique d'enseignante à l'école Estienne. Oui, c'est un exercice pas facile. Je pense que la caméra est moins gentille que les étudiants. Mais ça oblige à une synthèse, ça oblige à éviter peut-être la tentation un peu facile que j'aurais eue de faire une compilation de références, essayer d'être dynamique, rythmée. Mais je me suis aussi appuyée, on a beaucoup échangé avec l'équipe du CNAP qui m'a accompagnée pour préparer ça. Et puis, c'était un exercice intéressant parce que en tant qu'enseignante, je fais beaucoup de pratiques de projets. Donc, nous produisons beaucoup de projets et j'accompagne les élèves dans cette production. Mais c'est vrai que parfois, il manque, si vous voulez, un temps de respiration, un moment de pause où pouvoir réfléchir justement à ce que font les images, à comment nous les fabriquons. Et je pense que quelque part, même le MOOC était le moyen de faire cet exercice d'un temps un petit peu plus magistral, d'un retour aux fondamentaux. Et je pense que ça pourrait tout à fait intéresser aussi les étudiants. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aurais envie peut-être de réinsérer dans ma pratique si j'y arrive. Oui. Voilà. et en effet, c'est aussi une recherche d'équilibre qu'on a dans le MOOC entre la théorie, l'information, le magistral, hein, la transmission magistrale et l'action. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans le MOOC, de retrouver cet équilibre-là, la mise en pratique et juste la transmission d'informations. On va commencer à prendre vos questions d'internautes. Donc, la première, je vous l'adresse, Florence. Les émoticônes sont-elles intéressantes à étudier en tant qu'image ? Un grand oui. Voilà. Oui, il y a toute une variété d'émoticônes typographiques, graphiques, mais il y a aussi les émojis qu'on va trouver sur nos téléphones portables, par exemple. Ce sont ces visages expressifs, souriants ou non, ces traits du visage aussi parfois, ou ces petits symboles graphiques. Ils sont intéressants parce qu'ils créent des langages. Qui se condense énormément, où le visuel prend une place très forte et nous entrons dans une pratique qu'on pourrait dire idéographique, c'est-à-dire que l'image représente une idée, et aussi une pratique pictographique, puisque l'image représente une chose.
Et c'est en plus ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces symboles deviennent très universalisables aujourd'hui, même s'il y a différentes typologies d'émojis suivant les cultures linguistiques. Elles sont malgré tout partageables et transmettables très facilement avec les réseaux sociaux. Et enfin, ce qui, je crois, est un des points les plus intéressants, c'est que le discours, elle montre à quel point le discours de l'image est prolixe, riche, parce qu'elles sont capables de partager l'émotion très facilement et elles possèdent en fait ces images une vraie intensité expressive. Oui, tout à fait. Et en plus, elles sont utilisées par toutes les générations aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Elles font langage. Une deuxième question nous arrive. Il s'agit de le signe hashtag ou dièse. A-t-il pris un autre sens depuis son utilisation par les réseaux sociaux ? Alors, il est très connu parce qu'il a été beaucoup utilisé sur Twitter, par exemple. Mais on le retrouve maintenant dans de nombreuses campagnes. Alors, c'est vrai que y a un substrat historique derrière le signe dièse, ce hashtag. On peut penser notamment parce qu'il y a d'autres origines, mais parmi celles qui me touchent particulièrement, il y a l'origine historique avec Tim Berners-Lee, l'association du signe dièse à un lien qu'on rajoute relativement dans une page et qui va pointer vers une partie de la page et qui permet de faire un saut, en fait, dans cette page. Donc, en fait, il a un rôle de passerelle. Et il a acquis dernièrement, sur les réseaux sociaux notamment, l'image d'un moyen, en fait, de quelque part de fédérer ou de propager, en tout cas, un esprit de résistance, avec l'idée aussi qu'il indique, il signale une cause à défendre. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que finalement, on pourrait presque parfois, quand on veut défendre quelque chose, ne mettre plus que le signe dièse. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et le détacher du slogan. Du slogan, c'est déjà une prise de position que de mettre un hashtag. Tout à fait. Loïc, je vous vois hocher. Oui, bon, on est vraiment à la croisée de nos... Je rappelle, vous êtes l'expert typographe et le dièse, le hashtag, est à la croisée entre la typographie et l'image, là. Oui, c'est même vraiment un signe typographique, puisqu'il est présent dans les cases typographiques. Ce qui est intéressant là-dedans, ce que disait Florence est extrêmement juste. Ce qu'on peut rajouter, c'est ce qui est intéressant d'observer, c'est la façon dont l'écriture et le signe est le réceptacle des identités très souvent. Combien un adolescent cherche sa signature ou à personnaliser son écriture, combien des signes qui sont parfois un peu sous-utilisés, comme l'était sans doute le dièse au-delà de la musique ou du numéro, enfin voilà, tout d'un coup se retrouve investi par un sens justement qui devient l'étendard de cause et de communauté. Mais il y aurait d'autres exemples comme... Le pied de mouche qui a fait son retour, qui est un très vieux signe médiéval, qui a fait son retour dans les ordinateurs pour marquer les paragraphes en caractère masqué, l'arrobase, etc. Il y a des signes, il y a des permanences, il y a des signes très anciens qui tout d'un coup reviennent et mutent et changent de sens et sont réinvestis. Ça, c'est passionnant à observer. Oui. Vous êtes, je le disais, donc notre expert sur la séquence image. Typographie. Merci beaucoup. Sur la séquence typographie, vous êtes graphiste et typographe. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours ? Je suis je suis graphiste à Paris depuis une vingtaine d'années. Je suis essentiellement dans le champ de la culture et de l'édition. Je suis diplômé de l'atelier de création typographique de l'école Estienne. Et j'enseigne la typographie aux Beaux-Arts longtemps, enfin l'école supérieure d'art et de design d'Amiens, maintenant d'Orléans, à l'école supérieure d'art visuel de Marrakech. Et j'ai beaucoup enseigné en première année ou dans les premières années. J'ai toujours beaucoup aimé ouvrir les portes du champ du signe, du domaine de la typographie et de l'écriture et de l'histoire des écritures et la diversité des écritures du monde est un truc qui me passionne personnellement et dont j'aime parler. J'ai terminé là d'écrire un livre qui paraîtra à la rentrée pour les enfants sur l'histoire des écritures qui s'appellera « Écrire quelle histoire ?» aux éditions Kilowatt. Et je suis également très investi dans les rencontres internationales de LURE, qui est une
vieille association autour de la typographie et de la lettre et du graphisme et de l'édition, qui organise notamment une semaine de conférences depuis 1952. Donc on aborde les 69e rencontres à l'Urs en Provence, donc en haut d'une montagne, dans un merveilleux petit village où à la fois des professionnels et parfois de renommée internationale, des étudiants, des amateurs, des auteurs, des historiens viennent se retrouver pour discuter d'écriture. Et c'est une sorte de c'est très ouvert, on peut vraiment venir. On fait de plus en plus d'événements aussi en ligne, à la fois contraints et heureux de le faire. Donc ça vaut le coup de se rendre compte, d'aller voir ce que font les rencontres de l'UR. Et on ira, parce que j'ai vu des photos et c'est juste merveilleux. Enfin, c'est extrêmement beau comme lieu. Vous parlez d'écriture, de typographie. C'est vrai que les deux sont liés. Dans le MOOC, on a mis en lien l'histoire de la typographie à l'histoire de l'écriture. Et vous-même, voilà, vous en parlez assez, façon assez juxtaposée. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'histoire de la typographie et ses ambitions à l'époque ? Bien sûr, l'écriture, manuscrite et typographie sont vraiment intimement liés. La typographie, donc la lettre imprimée, naît vers 1450. Elle aurait pu naître plein de fois avant, mais il y a un moment. Gutenberg arrive au bon moment. Il arrive où il a l'intuition que c'est le moment, une intuition commerciale. Pour moi, c'est une des premières idées industrielles. C'est-à-dire il veut copier l'écriture des moines copistes, faire d'aussi beaux livres que les moines copistes, ou moines ou les copistes, mais en moins de temps. Il veut produire 200 Bibles dans le temps qu'il fallait pour en copier une à la main. Et pour ça, il développe de la technologie. À la fois la presse, la gravure des caractères, l'encre, voilà. Il y engouffre une partie de sa fortune, ce qui fait qu'il va rater un petit peu le pari qui était de gagner de l'argent en faisant aussi beau mais plus vite. Mais il lègue son invention à l'humanité et en quelques années, en moins de 50 ans, tout change. C'est ce qui est passionnant à observer dans leur rapport. Il y a des imprimeries dans toute l'Europe. Et le rapport au savoir et à sa circulation change. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître cette histoire-là. C'est qu'est-ce qu'une révolution ? Parce qu'on vit nous-mêmes une révolution qui est celle du numérique et qui a pas mal d'ingrédients communs. On est encore dans les 50 premières années du numérique et effectivement tout change. Au départ, la référence du numérique, c'était la page imprimée. Progressivement, ça s'en émancipe et on sent bien que ça bouleverse profondément nos rapports à l'écrit, au savoir, aux images, au design graphique, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, ça revient à l'idée qu'en effet, le design graphique, c'est l'affaire de tous, ce qu'on a dit depuis le début. Mais vous avez une manière particulière de nous sensibiliser à cette question-là. Quelle est-elle ? C'est une approche pédagogique intéressante. Je pense qu'on est facilement amené à multiplier les images et les métaphores pour parler de typographie, pour faire comprendre l'enjeu de la typographie. Dans le MOOC, là, je développe l'idée que la typographie, c'est le vêtement du texte. Il me semble que c'est une image qui parle facilement bien aux adolescents. Qui connaissent bien les subtilités vestimentaires et les enjeux du vêtement, à la fois en termes d'usage, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas pareil pour aller faire du sport, ça dépend de quel sport, pour aller en soirée, etc. Et puis des questions de style. On retrouve vraiment exactement ces ingrédients-là dans la typographie. Mais on peut dire aussi que la typographie, c'est comme un acteur qui se charge un peu dans nos mémoires, dans nos inconscients collectifs de ses rôles passés, que c'est comme les prénoms, ça se démode, ça revient à la mode, ça marque une époque, une classe sociale, une origine, etc. Et puis, il y a peut-être une dernière métaphore qui est peut-être la plus évidente, c'est que la typographie, c'est comme le ton de la voix, selon la façon dont je dis bonjour, bonjour, ou bonjour, ou merci, ou merci. Je vois bien que le ton change complètement, conditionne complètement le sens de ce que je raconte. Et la typographie, c'est exactement la même chose. Donc là, vous parlez de sens et vous parlez de fonction. En fait, la typographie, elle a ces deux éléments-là. Elle a ces deux éléments-là qui sont intimement liés. On peut dire quand même qu'il y a
typo et typo. Il y a de la typo qui est faite ou des typos qui sont faites pour se faire remarquer, être très expressive. C'est ce qu'on appelle le titrage, caractère fantaisie, etc. C'est des caractères qui disent très fort un univers, le western, la science-fiction, la bande dessinée, ce que vous voulez. Et puis, il y a tout un champ de la typographie face auquel les gens sont moins sensibles, précisément parce qu'ils sont conçus pour passer inaperçus et qui quand même subtilement conditionnent la façon dont on perçoit le message. Et alors, c'est des typographies qui parfois juste font le job, indiquent la sortie, sont lisibles en tout petit, dans toutes les conditions de lecture les plus extrêmes, et puis parfois soulignent la beauté de la langue d'un auteur. Lisez Baudelaire ou Molière en arial, c'est pas comme le lire en garamond ou dans des beaux caractères contemporains. Ça conditionne la façon dont on rentre dans le texte, même si évidemment on n'y pense pas en le lisant. Bien sûr. Mais c'est cet éclairage-là qu'on cherche à cultiver chez les jeunes générations à travers le MOOC, mais qui nous concerne tous. Hein. On est tous exposés à ces éléments de design graphique dans notre vie quotidienne. On va commencer à prendre de nouvelles questions de nos internautes. Alors, j'ai la première. Existe-t-il des modes? Observez-vous actuellement de nouveaux domaines d'exploration pour la typographie? Alors, dans certaines mesures, on peut dire que la typographie est à la mode. Il y a eu un grand retour de l'enseignement de la typographie, de la présence du lettrage dans nos vies, dans les logos, sur les vêtements, sans doute par rapport à ce qu'il y avait il y a même 20 ans. Et oui, il y a incontestablement des phénomènes de tendance en typographie. Les agences, les cabinets de tendance sont très attentifs à ce qui sort. Avant, il y avait des caractères qui étaient très... Enfin, il reste des caractères tout à fait indémodables, mais il y avait quand même des caractères qui avaient des durées de vie parfois un peu plus longues. Aujourd'hui, vraiment, la production, la création typographique est tellement florissante qu'avec tout un tas de jeunes créateurs et créatrices de caractères, qu'il y a vraiment beaucoup d'interaction entre eux aussi. Ils publient sur les réseaux sociaux, ils voient ce que chacun fait, les étudiants, les agences s'en emparent. Et donc oui, ça peut incarner un moment où il y a clairement des phénomènes de tendance. Ce n'est pas nouveau, mais ils sont accentués. D'accord. Et en termes de domaine d'exploration, les outils... l'évolution des outils numériques modifie forcément les formes. La création typographique aujourd'hui, elle est énormément facilitée par le numérique. Elle a énormément libéré, elle a permis à beaucoup plus de gens de s'emparer de la création typographique et elle a énormément libéré les formes. On voit aujourd'hui beaucoup de caractères expérimentaux absolument passionnants. Il y en avait avant, mais il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Et il y a une révolution en cours dans la typographie qui s'appelle les fontes variables. Le plomb de Gutenberg a fondu pour répondre aussi aux usages différents de nos écrans qui sont devenus aussi plus liquides, hein, de nos pages qui sont devenues avec des formats différents. Et aujourd'hui, c'est à l'utilisateur que peut revenir, ou demain, c'est à l'utilisateur de plus en plus que pourra revenir le choix de la largeur, la graisse du caractère, y compris même de sa forme parfois. Donc c'est un terrain de jeu pour les créateurs typographiques inouï. D'accord. Et dont on peut s'approprier. Oui. Nous, amateurs. De plus en plus. Oh. C'est encore un peu frais, mais ça vient. Génial. On va s'amuser. Alors, une autre question nous est posée. Existe-t-il une typo pour les dyslexiques? Alors, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette question. Les caractères qui sont trop symétriques, effectivement, ou parfois trop homogènes, peuvent poser des problèmes pour les dyslexiques. Donc, il y a un ensemble de caractères, il faut chercher sur Internet, qui peuvent répondre, qui ont été conçus dans cette... idée-là. On dit notamment que le temps d'écrit est Comic Sans, en général pas très aimé. Ça, si le grand public connaît une typo et en déteste une, c'est souvent le Comic Sans. Et ben, on dit qu'il est assez apprécié des dyslexiques parce que justement, il est peu symétrique. D'accord, ok. Dernière question. Nous souhaitons, au travers du MOOC... Ah non, ça, c'est moi qui ai posé cette question. C'est au travers du MOOC, on souhaite toucher des professeurs de différentes disciplines. Est-ce que cela vous paraît pertinent? Et ça, je pose la question à vous trois.
Alors, je commence. Oui, s'il vous plaît. Absolument. En fait, je pense que la question du design graphique, elle touche toutes les disciplines, en fait, puisqu'elle touche l'écrit, donc la forme de la lettre, en fait, la question du texte, de sa forme, donc elle touche les lettres, elle touche l'histoire. On le voit bien à travers l'histoire de l'image, l'histoire de la typographie, qu'elle rejoint à plein de moments des questions d'histoire. Elle touche les domaines de la physique, par exemple, ou de la technologie, parce qu'il n'y a pas d'image, je pense, sans lumière. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses. La question de la couleur est évidemment fondamentale. Elle touche, à mon avis, aussi beaucoup de domaines scientifiques. Donc, à vrai dire, c'est très intéressant même qu'elle soit abordée dans tous ces domaines, parce qu'elle y sera abordée avec des points de vue, justement, et des entrées un peu nouvelles aussi. Ouais. Voilà, et diversifier. Absolument. Naïque. Sur la question de l'écriture, je souscris absolument à tout ce que vient de dire Florence, et que c'est l'affaire de tout le monde. Et je trouve que sur en ce qui concerne la typographie, l'histoire des écritures, c'est passionnant. Évidemment, ça concerne tout le monde. Tout le monde est usager de typographie et d'écriture. Donc c'est quand même intéressant de savoir d'où viennent ces formes et quelle est cette histoire. C'est la grande aventure humaine, au point qu'on fait commencer l'histoire à la naissance de l'écriture. Donc c'est une notion qu'on peut interroger. Mais enfin, en tout cas, ça dit bien sa place centrale dans l'aventure humaine. Et donc, évidemment, ça touche, je ne répéterai pas, au texte, à l'histoire, à la géographie, la diversité des écritures de par le monde, c'est passionnant. Et évidemment la technologie, puisqu'on voilà, on disait qu'est-ce que c'est qu'une révolution technologique comme l'imprimerie ou comme le numérique, qu'est-ce que ça met en jeu, comment ça marche. Évidemment, ça concerne tous les enseignements. Et vous, Véronique, au nom du CNAP? Oui, absolument. Je pense que ça concerne en effet tous les domaines. Deux ou trois petits exemples, mais en histoire, il y a des frises chronologiques. Oui. En géographie, on doit regarder des cartes. Donc, il y a des couleurs, il y a des trames particulières pour montrer la hauteur des terrains ou des choses comme ça. Tout ça, ce sont des éléments graphiques. Donc, en histoire, géographie, en art plastique, n'en parlons pas, évidemment, il y a des choses très, très évidentes. Quand on est prof de lettres ou prof de français ou prof de langue, on met en forme ces contenus. Donc, on utilise des caractères typographiques spécifiques. Bref, dans tous les domaines au collège, les enseignants ont besoin de transmettre du savoir, mais aussi ont besoin de récupérer de la part de leurs élèves un certain nombre de dossiers, d'exposés, de choses comme ça. Et donc ces exposés et ces dossiers, il faut les mettre en forme. Mais on ne parle jamais aux élèves de comment on les met en forme. Pourquoi tu as choisi une couverture rouge? Pourquoi tu as choisi le Times New Roman pour composer ton dossier? Donc voilà, ce sont ces questions-là. Dès lors qu'on sensibilise en effet les enseignants, ils peuvent ensuite le transmettre à leurs élèves. D'accord. Donc ça paraît en effet fondamental. C'est très important, c'est vrai qu'on l'a... peu dit en ce qui concerne la typographie, mais c'est vrai aussi pour l'image. Effectivement, aujourd'hui, pour la mise en forme d'un exposé, mais pour la mise en forme d'un CV, la façon dont on le fait, le caractère qu'on choisit ou la façon dont on met en forme le texte avec éventuellement des images, raconte des choses de nous. Et donc, c'est important de quand même maîtriser un peu ces paramètres-là. D'accord. On a une dernière question pour vous, Loïc, hein, très rapidement, s'il vous plaît. Votre avis sur les typographies dites inclusives? Alors, ce n'est pas des typographies en soi, c'est d'abord une façon d'écrire. Alors après, il y a effectivement beaucoup d'expériences qui sont menées en ce moment sur la façon, sur comment dessiner des typographies qui seraient en soi inclusives. Ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, pour l'instant, c'est difficilement complètement fluide dans tous les cas des changements de genre de la langue. Il y a des exemples qui marchent quand même assez bien. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, même quand c'est un peu ambigu, ça renvoie aux besoins de genrer du lecteur. C'est-à-dire que même si le signe que je mets qui peut être lu, et c'est ça le jeu en général de ces exercices-là, c'est de dessiner un EUR qui peut être aussi lu comme ICE. Enfin voilà, donc c'est ce qu'on appelle des ambigrammes. C'est des signes qui remettent en jeu l'œil du lecteur et en fait son besoin de genrer. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir si c'est un lecteur ou une lectrice, peu importe. Finalement, je sais que c'est une personne qui lit. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça très intéressant, même si ce n'est pas toujours hyper lisible, et en plus, quand même, ça le devient parfois.
En tout cas, ça nous démontre que c'est un domaine d'exploration et très, très vivant. J'aimerais vous profiter de votre présence à tous les trois pour vous adresser une question concernant l'orientation de ces jeunes qu'on essaie de toucher à travers ce MOOC. On sait qu'ils créent sur les réseaux sociaux beaucoup de choses graphiques, ils utilisent des outils, ils sont conscients de certains codes. Mais donc je pense que ça leur permet de se familiariser avec le geste créatif et je suis sûre que certains auront la vocation d'en faire leur métier. Est-ce que vous pourriez nous donner leur donner des conseils à eux, à leurs parents, à leurs professeurs pour les aiguiller dans ces choix? Alors peut-être d'abord qu'ils sachent qu'il existe des poursuites d'études. Il y a de très nombreux métiers en fait relevant du champ du design graphique. Et parmi ces poursuites d'études, il y a évidemment la filière à laquelle j'appartiens, le design et métiers d'art, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi toutes les écoles d'art du ministère de la Culture, sous l'égide de régions parfois aussi, et de villes. Et également donc sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur, je pense que déjà il y a des perspectives, des vraies perspectives professionnelles, parce que on apprend aussi et on se forme également après dans le supérieur. Ensuite, je pense que il faut absolument garder ce fameux plaisir et qui va créer une vocation, c'est-à-dire que il faut la consolider, cette vocation. Il faut d'abord peut-être essayer de la faire émerger, parce que peut-être que certains ne savent pas que ça existe ou que ça les intéresse sans qu'ils arrivent à identifier ce qui les intéresse. Et puis après, il faut les aider à se cultiver, à regarder un maximum de choses, peut-être à faire aussi. Parce que parfois, en produisant des choses dont on est plus ou moins satisfait, en les postant, en regardant comment les autres les regardent, en les partageant, petit à petit, on avance dans son chemin. Voilà. Loïc, Véronique. Oui, non, on peut juste ajouter qu'effectivement, toutes ces écoles d'art ont des portes ouvertes et que c'est intéressant quand on sent qu'on a envie d'aller vers ces voies-là, mais assez tôt. Moi, je sais que j'étais allé en quatrième aux portes ouvertes des arts appliqués parce que je sentais bien que ça m'intéressait, mais que c'est quand même un chemin qui se décante un peu, qu'il y a beaucoup d'écoles différentes, beaucoup de métiers différents, que c'est intéressant de voir quand même vers quoi on a envie d'aller. Et déjà, c'est quand même une surprise et une ouverture aussi, parce que c'est déstabilisant de voir tout ce qui se passe dans une école d'art. Et donc, c'est bien de le faire tôt pour dire, ah oui, quand même, il faut effectivement que je... C'est pas juste parce que j'adore les mangas que je vais faire du dessin. Il y a aussi d'autres choses à découvrir qui peuvent être passionnantes aussi. Et donc, c'est bien de ce que disait Florence, de voir plein de choses et d'ouvrir et d'enrichir au maximum cette curiosité-là et d'entretenir cette flamme-là. Oui, pour prolonger, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, pour prolonger peut-être aussi, au-delà d'aller voir des écoles, c'est aussi d'entrer en contact avec ce que sont les objets qui sont produits de design graphique. Donc ça veut dire, ce peuvent être des fanzines, c'est des petits flyers, des soirées ou des concerts ou des choses comme ça. Et en général, il y a toujours le nom, on tourne pour voir le nom. Donc ça veut dire aussi se familiariser avec un milieu auquel possiblement on se destine. Et donc je rajouterais peut-être aller voir les graphistes, essayer de les identifier. Maintenant, en effet, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, on peut les identifier assez facilement et peut-être aller à leur contact pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Peut-être que parfois, on ne se rend pas bien compte qu'il y a tout un pan du travail qui est peut-être moins drôle que ce qu'on imagine. Mais évidemment, voilà, ça permet de se projeter quand même dans un milieu et de rencontrer ceux qui le font des formes et des signes. On est tous passés par là, évidemment, avoir des références et avoir rêvé en voyant des petits documents à des graphistes ou à des ateliers merveilleux. c'est avant tout un domaine de rêve, hein, la création et le design graphique. J'aurai une dernière question que j'adresserai donc à vous trois de la part de nos internautes. Quelle place a l'histoire du design graphique, entre parenthèses, et typographique, et ses rapports sociaux, sociétaux, à travers cet outil pédagogique? Alors, bonne question. Il y a une vidéo qui est directement historique par section. Oui, hein, oui, oui, tout à fait. Indépendamment de nos interventions respectives. Exactement. Donc ça, c'est, et je pense que c'est vraiment un très bon choix, parce qu'effectivement c'est important d'ancrer des disciplines dans une histoire et d'en comprendre les racines.
Ensuite, il me semble que chacun parle des enjeux sociaux et d'implication de nos disciplines dans nos vies aujourd'hui et dans la modernité, enfin en tout cas dans nos vies de tous les jours. Quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... En fait, je pense que c'est, encore une fois, c'est revenons à ce que constitue, en fait, ce MOOC. Ce sont les exemples, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples à la fois, donc comme vous l'avez dit, c'est en effet lié à des questions historiques, c'est lié à des questions pratiques, donc je pense que la question des enjeux sociaux et sociétaux, elle est induite par ce qu'on peut y trouver, c'est-à-dire qu'on a des références historiques, on a comment est-ce qu'on peut nous-mêmes se projeter et produire des formes, et quel regard on porte sur ces formes. Donc c'est, encore une fois, c'est bien là ce qu'est de manière intrinsèque le design graphique, c'est-à-dire que quand je montre un livre et donc de cette collection avec en disant voilà, il y a une typographie qui a été utilisée, il y a une mise en forme spécifique. Ben, les enjeux culturels de transmission de ces écrits, de ces savoirs-là dans la société, on peut les déduire très facilement. L'histoire de cette collection, le fait qu'on a tous chez nous au moins un livre de cette collection, ben, les enjeux sociaux et sociétaux, ils sont bien là, je pense. Donc moi, je dirais que c'est plutôt, en effet, par rapport au contenu et aux exemples qui sont montrés dans le MOOC. Et donc on en revient, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, France, merci. Donc on en revient à l'importance de l'éducation du regard. Et on tient aussi à rendre hommage ici aux professeurs des collèges qui sont chaque jour sur le terrain et qui assument cette mission de l'éducation du regard auprès des jeunes générations. Nous, ce qu'on leur offre, c'est un nouvel outil pédagogique qu'on a voulu facile en termes de consultation, puisque, comme je le disais, chaque séquence prend qu'une heure et elle est consultable où que vous soyez et quand vous le voulez. Le numérique nous offre des opportunités de formation extraordinaires. Construire un MOOC, ça demande de nombreuses compétences. Et c'est là, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier toutes les équipes qui ont participé à sa réalisation, à commencer par l'équipe de Pimenco qui a réalisé l'ingénierie pédagogique de ce MOOC, aux équipes de La Brèche Studio qui ont réalisé toutes les vidéos, les productions audiovisuelles et les créations graphiques. L'agence Art & MOOC, elle, assume la communication et la diffusion. Ils sont actuellement sur la plateforme Fun pour réaliser l'animation du MOOC. J'aimerais également remercier le comité consultatif qui nous a accompagnés tout au long de cette création, ainsi que nos 5 experts qui viennent enrichir grandement ce que nous, on pouvait donner comme élément d'information. C'est eux qui donnent le maximum. Et enfin, et pas des moindres, toutes les équipes du CNAP qui ont participé à cette élaboration et qui ont porté le projet depuis presque 2 ans. Un grand merci également à nos partenaires institutionnels, le ministère de la Culture et le réseau Canopée. Et je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, à vous remercier vous trois, à vous remercier vous de nous avoir suivis et à vous dire à une prochaine fois. Bonne soirée. Merci. Merci.